Bonjour, Madame France. Bonjour. C'est un grand plaisir pour moi, mais surtout pour votre père. Vous l'avez descendu au lac Ossaumont, en partant de Québec, etc. Et vous avez fait beaucoup de millages avant. C'est quoi la distance de Mérissé? Ah, bien moi, j'habite à Cornwall, en Ontario, fait que ça me prend, bon, 8-9 heures de voiture pour venir au lac Ossaumont. Mais toujours contente de revenir. Mais combien de kilomètres, à peu près? Je pense que c'était 765 kilomètres, oui. En tout cas, je sais que votre père était très heureux que vous soyez ici. Ici, il y a une entrevue. Ça dépend de madame. Oui. Merci. Ça dépend de madame. Puis, je suis certain que ça t'a fait plaisir aussi. Je vais te poser une question seulement. Quel héritage, même si ta mère n'est pas ici, de ta mère et de ton père? Qu'est-ce qu'ils t'ont laissé de valeur essentielle? Je dirais que, en fait, des valeurs familiales très, très importantes. C'est-à-dire que mes parents... De leur exemple, de ce que j'ai vu, ça a toujours été au top de la liste de la famille. Donc, ça, ils nous ont transmis ça beaucoup. De façon plus individuelle, je dirais, je regarde mon père qui est un fier Acadien. Mon père, c'est un exemple de résilience dans le sens par son expérience, mais aussi son expérience familiale. Il nous a raconté son histoire. Je pense qu'il y a eu quand même là, des... Lui, de jusqu'à temps qu'il arrive à la trentaine, là, je pense qu'il a eu une vie relativement difficile, mais pas malheureuse. Mais ce que ça me donne, c'est qu'à travers les épreuves, on est capable de passer à travers. Donc, la résilience est importante. Puis ça, je pense que c'est quelque chose que nous autres, en tout cas, ses enfants, on retient beaucoup ça là, de la part de notre... Mais difficile, pourquoi? Bien, je pense que la vie n'était pas facile. T'sais, ils n'ont pas eu facile. Ils nous expliquent des fois. Bien, en fait, tu sais, c'était presque toujours des questions de survie. Il me compte son enfance. Ça n'a pas été malheureux, mais tu sais, tout était en fonction de survivre. T'sais, c'était toujours, on travaille sur la terre, on déchiffre, on va travailler dans le nord de l'Ontario. Tu vas t'isoler pendant 6 mois de temps dans un camp de bûcherons pour faire un peu d'argent, pour venir, pour pouvoir survivre en revenant. Tu sais, c'était pas vraiment vivre, c'était plutôt... Il me semblait... Tu sais, malgré tout ça, j'ai pas semblé qu'il était malheureux là-dedans, mais ça m'a semblé qu'il a fallu qu'il travaille dur, beaucoup. Ma mère, elle, c'était plus... Ma mère, son héritage, c'est très, 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 très familial. Très, très, très se donner aux autres, aimer les autres, être vraiment là pour les autres. Elle, c'était une enseignante. C'était quelqu'un aussi qui avait une très grande rigueur, ça. Du côté de ma mère, la rigueur, je pense que ce sera un bel héritage. Ta mère, c'était une bérubée. Ma mère, c'était une bérubée, oui. C'était une bérubée et c'était quelqu'un, elle venait d'une famille de 15, était la dernière de 15 enfants. Et puis, eux aussi, c'était pas nécessairement... Ils semblaient plus à l'aise, par exemple, la famille à mon père, je pense. Mais quand même, moi, elle m'a parlé beaucoup de sa mère, qui était... En fait, mes deux grands-mères étaient... Papa disait, je canoniserais ma mère, mais en fait, mes deux grands-mères, je pense, qui étaient des femmes extrêmement courageuses, avec 14, 15 enfants, et puis qui ont dû tout faire. C'était des femmes qui devaient rouler à 4-5 heures de sommeil par nuit parce qu'ils travaillaient jour et nuit pratiquement pour nourrir leur famille, faire les vêtements. Vraiment, ils faisaient tout. C'était des sages-femmes. Ils faisaient tout, là, ces femmes-là. Fait que c'est des exemples là, en tant que femme. Moi, je trouvais que ces gens-là... Nous, on pense qu'on peut faire... Ah, les femmes... Moi, j'ai travaillé dans un domaine non traditionnel, disons, qui était quand même majoritairement pour hommes. Mais tu sais, l'exemple de mes grands-mères était comme... Wow, eux autres ont fait beaucoup plus que moi. Là. C'est, eux étaient vraiment des héroïnes là, dans tout ce qu'ils ont fait dans leur vie. Donc oui, c'est des belles héritages. Travailler fort, tu sais, on n'a rien avec rien. Moi, je pense que ça, c'est des choses que nos parents... si on travaille fort puis on veut quelque chose, on peut y arriver. Donc, mais... Comme je vous ai dit, je pense que la valeur numéro un, c'est la famille. Ça, chez nous, c'est vraiment extrêmement important. Si tu avais une qualité à donner à ton père, ce serait laquelle?
Je dirais, c'est sa capacité à... comment que je pourrais dire ça? à écouter puis à respecter. Peu importe, nous autres, écoutez, on n'est pas dans les mêmes générations. On a fait des choses qui ont déçu nos parents ou quoi que ce soit, mais peu importe le parcours qu'on a eu avec nos parents, mon père a toujours été capable, c'est toujours été... Vous demeurez mes enfants, l'amour à tout prix, puis il a toujours respecté nos choix, puis il est capable, il était capable de passer à travers des choses. On est comme toutes les familles, on a toutes nos histoires, nos familles. Puis mon père a toujours eu une très grande capacité à passer par-dessus, à faire ça dans le respect et l'amour. Donc ça, c'est une de ses très, très belles qualités. Vous étiez 5 chez vous? Oui, 5 enfants. La relation des enfants avec les parents, est-ce que c'était bien? Oui, chez nous, on peut pas, je peux pas dire là, que c'était... Il devait avoir des chicanes un peu. Là. Oh, toujours, toujours. Nous autres, on a connu la révolution. T'sais, on était une famille plus traditionnelle. Au début, mes parents, quand même, un certain âge. T'sais, les filles avaient certains rôles dans la famille. Les garçons avaient d'autres rôles. Puis à un moment donné, moi, je me souviens, là, j'avais peut-être 10 ans, moi, j'étais plutôt tomboy. T'sais. Puis là, l'affaire, les filles font la vaisselle. Mon frère tondait la pelouse. Il faisait le passage du souffleur. T'sais. Puis là, maintenant, on avait fait une révolution. Là, ça marche plus, ça. Là. Là, tout le monde fait la vaisselle. Les gars font la vaisselle. Moi, j'avais appris à me servir de la souffleuse, puis ça, fait que c'était plus... tu sais, on a vécu un peu des petites révolutions dans notre temps, évidemment, dans notre temps, j'ai un certain âge, là, fait que ça, c'était quand même dans notre temps, là, que les rôles féminins, masculins s'équilibrent, ça, fait qu'on a vécu ça à travers dans notre vie de famille, donc c'était... puis je dois dire que moi, avec... nous autres, c'était plus... notre mère était très, très, très à l'écoute de nous autres, fait qu'on était très proches, tu sais, on passait souvent par ma mère pour aller, parce qu'on avait l'impression papa, des fois, que ça... Ça serait plus difficile, mais ils étaient très, très soudés, mes parents. J'ai jamais vu mes parents s'ils se chicanaient. On les a jamais vus se chicaner. Ils réglaient ça entre eux autres. Puis ils étaient toujours d'un front commun pour... De la façon qu'ils nous ont élevés, là, c'était un front commun là, avec eux. Vous vous êtes jamais chicané avec votre femme? Bien, on avait des mots. Il fallait que je m'explique. Des fois, elle avait pris une bière de trop, puis... Mais ils ne faisaient pas ça devant les enfants. Je suis certaine que ce sont. Non, c'est vrai, c'est mais vrai. J'ai pas de souvenance que nos parents. Tu sais, je suis certaine qu'ils le faisaient, là, mais c'est... Toi, ta petite révolution là, pour la tondeuse au lieu de la vaisselle, là, tu préparais déjà ta carrière. peut-être. Capitaine de bateau. Ah, je préparais capitaine de bateau. C'est ça. Aurais-tu quelque chose d'autre? Non, c'est bien. Je dois dire que d'un point de vue, là, si on parle de point de vue de descendance acadienne, je suis contente que mon père a toujours été fier de ça. Puis je peux pas dire que je suis quelqu'un qui m'est intéressé à ça jusqu'à tout récemment. Tu sais, je veux dire, je le savais, oui, mais tu sais, c'est quand même, on comprend un peu plus, tu sais, certaines choses, certains choix que mon père a fait dans sa vie ou ses façons, tu sais, des fois qu'il nous parlait de certaines choses, tu comprends, ah, d'où ça vient? Ah, ben lui, de la façon que lui a été élevé, je peux comprendre. Tu sais, c'est les Acadiens, c'était vraiment des gens résilients, c'est des gens qui ont travaillé fort. Puis ça, tu sais, c'est définitivement un héritage. Nous définitivement, on peut voir ça puis on peut apprécier ça, grandement. Moi, il me dit qu'il aimait beaucoup les Anglais. Ah! Ça a été toute une... Mais moi, je suis allée vivre... Moi, ça fait longtemps que je vis en dehors du Québec. J'ai vécu en Nouvelle-Écosse un certain moment. Puis là, je vis en Ontario depuis un certain moment aussi. Mais je reviens toujours au Québec. Là, je me considère pas tellement... Je suis pas mal. Je reviens toujours. Là, je suis comme un élastique. Sauf que c'est ça, là, quand je parle... Puis moi, je voulais apprendre l'anglais. Contrairement à lui, tu sais, il nous avait tellement dit... Moi, quand j'étais jeune, je veux rien savoir des Anglais. Il y a toujours vraiment... Puis je comprenais pas ça, tu sais. Je me disais... apprendre l'anglais, c'est pas la fin du monde, tu sais, ça. Mais je comprends plus, tu sais, je peux comprendre qu'avec l'histoire des Acadiens, tu sais, quoi que la déportation, c'est pas... Même mes grands-parents ont pas vécu ça, mais je suis certaine qu'eux ont entendu parler de la déportation. Puis aussi, dans leur contexte, même dans son travail à lui, les gens qui étaient dans les postes les plus élevés de la compagnie étaient tous des anglophones, tu sais. Fait qu'il y a eu une certaine aversion qui s'est faite contre les anglophones, tu sais. Il y a une certaine... Ça, je peux le comprendre, je le respecte très bien. Personnellement, je partage pas cette opinion-là, mais je peux très bien comprendre d'où ça vient. Là, oui. On vous a sûrement raconté la déportation des Acadiens. On vous en a parlé de ça. Oui. Ça vous a blessé?
Mais ça m'a blessé pas à peu près, parce que... envoyer les femmes d'un bord dans un bateau, par l'autre, puis les hommes dans l'autre, puis les enfants dans une autre catégorie, il faut être chien pas mal pour faire ça. Là. Oui, monsieur. Ça fait que... Ça, vous êtes resté marqué ça, avec ça. Je suis marqué avec ça, moi. Ça fait que... Puis restez marqué. C'était quand même inhumain. Là. Bon, c'est pas de bon sens. C'est pas de bon sens. Mais moi, là, j'ai réalisé ça assez vite. Quand j'ai arrivé en Ontario pour travailler, mais là, on ne pouvait pas dire un seul mot en anglais. On n'avait pas appris du tout. Surtout, vous ne vouliez pas l'apprendre. Puis là, non, non. Puis là, tu demandais en français, là. Il n'y en a pas un qui te donnait le sucre ou le sel ou non. Peu importe. Là. Tu le demandais, mais il ne te le donnait pas. Fait que là, t'as pas de quoi pour les aimer, ben. Puis là, ben, toutes les ordres étaient allés à l'office là, pour acheter n'importe quoi. Là. Organise-toi pour le savoir, la phrase en anglais, parce qu'ils ne te servent pas. Ça fait qu'on a dit qu'il y avait toujours de quoi pour t'entretenir à les détester. Non, non, mais c'est vrai, c'est vrai. Oui, c'est ça. Mais on a passé à travers Paris. Autrement dit, eux ne faisaient pas d'efforts. Non. Oh non. Ils ne faisaient pas d'efforts. Moi, quand toi, dans le milieu où tu travailles, là, c'est en anglais. C'est en anglais parce que, en fait, les gens avec qui je travaille, c'est pas des anglophones. C'est des... toutes sortes de langues, parce qu'ils peuvent venir de la Russie, de la Pologne, peu importe. Fait que nous, c'est le langage du métier. Mais moi, je peux pas... Tu sais, comme cette histoire-là, je peux pas relater à ça parce que moi, j'habite à Cornwall, en Ontario, qui est une population majoritairement anglophone. Mais au contraire, moi, je vois beaucoup d'anglophones qui apprennent le français, qui se forcent. Puis moi, dans tous les commerces, je m'adresse toujours en français là-bas. Puis je dois dire qu'il y a beaucoup d'anglophones, mais ce sont vraiment des anglophones. Mon fils a beaucoup d'amis qui ont été à l'école française, mais ce sont des vrais anglophones. Là. Les deux parents sont anglophones. Ils n'ont jamais parlé français dans la maison chez eux, mais ils vont aller à l'école française jusqu'au secondaire. Fait que, tu sais, la mentalité de ça, tu sais, moi, je peux pas témoigner de ça, tu sais, mais je peux très bien comprendre. Tu sais, c'était inhumain, là, ce qu'ils ont fait aux Acadiens. Effectivement, tu sais, je peux comprendre que tu peux avoir cette perception-là. Mais moi, ça fait tellement longtemps que je vis à l'extérieur du Québec, même quand j'avais resté à l'île du Cap-Breton, puis ça. T'sais, j'ai appris à découvrir les anglophones d'une autre façon, t'sais, à un moment donné. Mais j'avais tendance au début, « Ah, les Anglais! » J'avais rien de bon là-dedans. Sauf que t'sais, l'expérience de vie fait qu'on peut changer cette optique-là là, t'sais, dans nos perceptions. Mais rien n'excuse la déportation des Acadiens, c'est épouvantable. On a raison de les en vouloir. Non, ça, c'est vrai. Je te remercie beaucoup. Ça me fait plaisir. Tu reviendras. On parle tout le temps du rang 3. Oui. Qui le baptisait le rang des Acadiens? À cause des Acadiens qui étaient là, je suis sûr. Ben, comment se fait-il? Le rang des Acadiens, pour te répondre, c'est que je crois qu'il y avait une famille qui n'était pas acadienne. Tous les autres, là. En tout cas, dans mon temps. Oui, 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 oui. Ça fait qu'il y avait une bonne raison de trois, là. Okay. Puis il y avait la chapelle, que les gens allaient tout à la messe, puis tout ça, là. Il y avait une école, là. Oui. Vous allez à l'école dans le rang 3? Oui. Moi, c'était la chapelle qui avait été convertie. En haut, il y avait les sixièmes au montant, puis en bas, c'était 1, 2, 3, 4, 5, là. Mais cette chapelle-là, là, a été bâtie... longtemps après que les premiers Acadiens sont arrivés? Oh. Je veux pas savoir l'année, mais... Oui, ben, je pense que ça a pris un bout de temps, là, avant qu'ils soient capables de... Ce sont les Acadiens qui l'ont bâti? Oui. L'école, vous étiez combien dans cette école-là? Nous autres, on devait être à 28-30, sortant. C'était une institutrice? Oui. Elle, là, c'est elle qui chauffait le poêle? Oui. Y avait-il des toilettes dans l'école? Oui, mais c'était des qu'on peut appeler des chiottes, là, excusez le mot, là. Il n'y avait pas de toilettes à l'eau, là. Puis ça, c'était... Il avait fait une rallonge spécialement pour ça.
Disons que l'hiver, c'est pas trop chaud d'aller aux toilettes. Mais chez vous, dans votre maison, chez vous, est-ce qu'il y avait une toilette? Oui. Il y avait une toilette? Ah, une toilette, parce qu'on avait l'eau courante. Ah, OK. L'idée de mon père d'aller faire ça. Oui, oui. Mais les autres maisons, là, ils s'organisaient pour avoir l'eau où? Oublie ça, là, il n'y a personne qui avait la toilette à l'eau. Non, mais ils prenaient l'eau où? Ben, il y en avait qui allaient chercher ça au ruisseau. Il y avait le ruisseau. Il y avait un ruisseau, oui. Il devait avoir des sources. Il y avait des sources. Nous autres, ça a fini par une source là, qui nous alimentait. Là, à un moment donné, on a dit, on va se bâtir une église, mais là, on devait la bâtir dans le rang 3. Puis là, il y a eu une petite chicane. Puis là, pourquoi qu'il l'a emmené au village? Parce que la population était déjà beaucoup plus nombreuse au lac Saumon, au village, que d'Iran. Ah oui, ça a fait une grosse chicane. Ça a l'air qu'il y en a même qui ont arrêté de pratiquer. C'est vrai? Ah oui. Il y avait des têtes de cochon là-dedans. Là. Oui, mais leur foi n'était pas solide. Probablement pas. Mais non, la majorité ont fini par se rallier, là, à comprendre que, écoute, le chemin de fer, il passait dans le village, ouais. Il passait pas le tour, là. Vous autres, là, quand vous étiez jeunes, c'était quoi la fête de Noël pour vous? Ah, c'était une grande fête, mais... Est-ce qu'il y avait un réveillon? Oui, on avait un réveillon, puis on avait des petits cadeaux. Je ne sais pas ce que c'est que ma mère prenait de coxaine pour aller nous acheter. On avait tous chacun un petit cadeau, là. Un cadeau, mais c'était pas une automobile. Non. Ni un 4 roues. Non. Non, il n'y a pas eu de gros cadeaux de même. Mais ça faisait plaisir quand même. C'était peut-être un beigne sucré ou un affaire de même, là. Aussi stupide que ça, là. Ouais, ouais. Quel héritage que vous avez connu votre grand-père? Mon grand-père, même si... moi, je ne l'ai pas connu, là. Mais quand il m'a dit le courage qu'il avait quand même, cet homme-là, là, après avoir été vraiment... au-dessus de ses affaires, il avait une business aux îles de la Madeleine. Ce qui l'a condamné, c'est sa générosité. Il est arrivé une crise, là, 5-6 ans avant qu'il s'en vienne au lac. Il était trop généreux. Lui, le monde crevait de faim, mais non. Tant qu'il a eu du stock de son magasin, il en donnait. Il les a donné, mais à un moment donné, c'est lui qui a payé pour. Ça fait que je trouve qu'il était pas mal généreux, le bonhomme. Prêt. Votre père, quel héritage il vous a donné? Ah, mon père... Je parle pas... Celui-là, c'était pas un... T'as loin d'être un gars pour les chiffres puis ces affaires-là, mais... Quand il y avait un autre de mes oncles qui disait... je sais pas ce qu'il avait demandé. « As-tu une fendeuse à bois? » Parce que là, les gars s'achevaient. Moi, il dit, ma fendeuse en bois, c'est Tony. Lui, il travaillait pour les spots à cause de Pascal. Là. Puis, quand il faisait bûcher son bois, puis quand c'était le temps de fendre le bois, c'était mon père qui allait y fendre ça. Mais là, c'était pas travail ordinaire. Là. Il s'est fait mourir à travailler. Mais lui, c'était ça. Là. Mon oncle Silvio l'a fait tenir sur le nord. Il voulait le nommer contremaître. Finalement, il a changé d'idée. Lui aurait essayé de faire la job, puis les autres auraient ri de lui, probablement. Non, c'était trop vaillant, ça, c'était pas... Mais il a quand même élevé une famille assez un bras raide là-dessus, là, les enfants, parce qu'il y en avait des toffes chez nous. Là. Il y en avait une couple, là. Ouais. Il battait des flots au village, puis il donnait des bonnes volées, puis là... Les plaintes arrivaient, puis tout ça. Puis... Mais. Je m'imagine que vos frères, là, étaient bâtis comme vous. Oh oui. Assez solide. Proche de 200 livres. Moi, je me souviens, mon père m'a donné une claque. J'avais mon frère, qui avait 5 ans de plus vieux que moi, là. Puis je sais pas ce qu'il m'a fait. Puis j'étais en sacrement pour lui.
Puis là, je voulais me revenger. C'était l'été, on était dehors, puis il y avait une pierre devant moi, là, une pierre coupante. J'ai ramassé la pierre, puis j'ai tiré ça de toutes mes forces, puis j'ai coupé la grosse vanisette. En tout cas, ils ont eu peur, parce qu'à force de saigner, à un moment donné, tu n'as plus de sang. Là. Vous vous souvenez encore? Moi, le bois était pas loin. Là. Il faut ligner le bois. Puis quand j'ai rentré, il faisait bien noir dehors. Il m'attendait aux côtés de la porte. Il m'a cinqué une claque dans le derrière de la tête que j'ai eu beau essayer à breaker, mais je me suis rendu dans le mur de l'autre bord. Tu peux être sûr que je m'en ai rappelé longtemps. Mais il avait eu peur que je casseille. Ça fait que c'est la seule claque qu'il m'a eu dans toute ma vie. Vous vous souvenez encore? Ben, c'est, je comprends. Avait eu peur que mon frère meure là-bas. Oui, je me rappelle pas ce qu'il m'avait dit. Es-tu trop innocent pour t'apercevoir que t'aurais pu tuer ton frère? Ça a resté. Hein. Vous, là, il vous reste probablement 20 ans à vivre. Oh non! Attendez. Avez-vous peur de mourir? Non. Non? Non. Non, dans quel sens? Ben, j'ai fait mon possible dans la vie, puis. J'ai élevé 5 enfants, puis je considère que ça n'a pas été une catastrophe. Ils sont tous en bon terme avec tout le monde, puis ils ont des métiers pour gagner leur vie. Puis, écoute, à un moment donné, tu peux pas bâtir une autre lune. Là. Ça fait que je considère que j'ai fait mon devoir. Moi. Quand vous étiez jeune, là, les curés parlaient de trois choses. Il y avait l'enfer. Le purgatoire, puis le ciel. Ouais. Vous, d'après votre jugement, vous allez où? Ben, je vais probablement faire un bout de purgatoire, là. Pareil, ça n'existe plus, ça. Hein? Peut-être que j'irai un peu plus loin, là. Au ciel directement. Qu'est-ce que vous voulez laisser à vos arrière-petits-enfants? Une phrase ou deux, une espèce de testament. Ben, je commence à apprécier ça parce que mes petits-enfants, là, quand le parent le dit, bon, on va aller voir grand-papa. Ah, ben là, on est content. Tu sais. C'est vrai? Ben, je les gâte un petit peu. Tu sais, à un moment donné, l'autre fois, là, on est trois qui sont venus, là, puis. Ils sont à l'université, là, c'est pas des petits vous bébés. Vous lui donnez un sucre à crème. Puis il a venu, ouais, il a venu me montrer son char, justement le gars en France, là. Parce que je peux pas vous dire qu'il est pas gâté, là. À 20 ans, il a deux chars. Il a un char sport, puis il a son nouveau, là, un Crown Royal qu'un fonctionnaire du fédéral avait. Mais c'est un enquêteur. Fait qu'il n'y a pas de millage, le char, là. Même s'il est vieux, le char, une dizaine d'années, 10-15 ans, là, tu jurerais qu'il est flambant neuf. Puis là, il a fait un voyage de Montréal à Québec pour venir me montrer ça. Puis là, il a dit ça aux deux gars, Bruno, qui sont à l'université, eux autres aussi. Ah, ben, on va aller voir. Fait que là, j'ai voulu les récompenser, puis non, on a dit, on faut aller voir, montrer ça à grand-papa, ce char-là. C'est toute beauté. Il vous reste 5 minutes à vivre. Toute votre famille est autour de vous. Le plus jeune de vos petits-enfants, ils disent « grand-papa ». Donnez-nous un petit conseil. Lequel? De toujours rester unis, puis de s'entraider. Si jamais il y en a un d'eux autres qui a de la misère, de s'entraider. Puis, je pense qu'avec ces qualités-là, ils vont survivre. Moi, je vous remercie. C'était un grand plaisir. Voyons, un grand plaisir d'être avec vous. Et j'ai appris beaucoup de belles choses. Et vos petits-enfants vont en apprendre davantage. Moi, je dis, je finis tout le temps l'entrevue, puis j'espère que vous allez répéter la même chose que moi.
Alléluia. Oui, ouais, alléluia, certain. Bravo. Moi, si les gens qui vont nous écouter me comprennent, je vais être doublement content. Parce que mon langage, moi, c'est, comme j'ai dit hier à un de mes cousins, ouais, mais tu commences pas que tu t'en vas en entrevue. J'ai dit, t'es honnête de me dire ça. J'ai dit, moi, je suis allé une fois à l'école le vendredi, puis la maîtresse n'était pas là. Merci beaucoup.